Ok, merci les artistes, merci, nous vous remercions. Merci bien les artistes, c'est bon, je vous remercie. Merci. Merci encore une fois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes là ce soir justement pour écouter le président du Parti de l'Espoir et du Développement National et l'Agence de la Piété. Vous applaudissez pour le président, s'il vous plaît. Merci aux sages de la Guinée présents parce que nous sommes là. Les quatre régions naturelles de la Guinée sont présents. Nous
passons à la seconde phase du programme qui est le discours du bienvenu de la communauté dans cette salle pour accueillir notre président. Et ce discours sera conduit par monsieur le secrétaire général du PEDN aux États-Unis, monsieur Montaga Ba. Merci, Monsieur le Capté, chers invités, Excellences, Monsieur Wassa Kanté, président du PDN, Parti démocrate, président du Parti de l'espoir pour le développement national du PDN. Excellences, Madame Kanté, chers invités, c'est avec un grand honneur que le bureau fédéral du Canada nous sert pour la bienvenue. Il n'est écrit sur le front de quiconque la qualité d'une personne que l'on vit dans sa vie au sein de la société. De par sa bonté et sa capacité d'unir la nation, que les élus soient parmi nous, et je voudrais franchement dire quelques mots pour le président. Donc, le représentant de la FAG est bien pouvoir, est demandé de bien vouloir se présenter sur le podium pour l'intervention, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup. Permettez-moi de dire bonsoir à l'auditoire, son excellence Monsieur Lansana Kouyaté et Madame Kouyaté aussi. Et le temps est peu, mais aujourd'hui c'est un moment opportun de nous exprimer. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons choisi ce parti? Et quels sont le fondement, quel est le fondement réel de notre adhésion aux idéaux du PDN? Donc le temps est peu, mais si vous me permettez, et avec et l'avis de mes amis et de mes amis, de vous dégager quelques lignes et de notre adhésion aux idéaux du PDN. Donc il y a tant de partis politiques, mais pourquoi nous, étudiants guinéens aux États-Unis, nous avons adhéré aux idéaux du parti? Donc, Excellence, 2 minutes, ça ne suffit pas, le temps fait défaut. Monsieur le président du PDN, mesdames et messieurs, chers représentants du parti de l'espoir, chers concitoyens et concitoyennes, chers invités, Excellence Monsieur Lansana Kouyaté, nous tenons ici à rendre hommage à votre intuition, à votre clairvoyance et à votre énergie. Un penseur, un organisateur d'exception. Excellence, vous avez, par votre talent et votre énergie, associé à un grand savoir, donné à votre pays pendant votre gestion la forme, la vitalité et la vigueur qui sont les siennes aujourd'hui. Nous honorons votre travail inlassable en faveur de la paix dans les 4 coins du monde. Ensemble avec le peuple de Guinée, vous avez mené de nombreuses batailles sur plusieurs fronts et remporté de nombreuses victoires. Excellence, Monsieur Lansana Kouyaté, sous votre houlette, la Guinée a reçu sa personnalité, son identité, ce qui conforte notre crédibilité et nous valent estime, respect et considération dans le Conseil des Nations. Il importe pour tout Guinéen, mais aussi pour tout Africain et tout homme de bonne volonté, de bonne foi, honnête et reconnaissant, qui se veut citoyen de Guinée, de découvrir, de pénétrer, de s'imprégner de la pensée prospective qu'apporte ce théâtre de dimension exceptionnelle qu'est le président du PDN, M. Lansana Kouyaté. Excellence, nous sommes convaincus que votre rêve déjà exprimé depuis longtemps de laisser aux générations actuelles et à venir une Guinée forte, prospère et démocratique. Excellence, nous étudiants présents ici aux États-Unis d'Amérique, convaincus du changement que vous avez apporté et continuez d'apporter à notre chère Guinée, nous avons décidé
d'adhérer aux idées du parti PDN sans aucun intérêt particulier, mais plutôt avec une conviction intime et ferme, sans aucun esprit ethnique et partisan, mais plutôt être militant et sympathisant de ce grand parti PDN. Excellence, nous sommes également convaincus du message véhiculé par ce grand parti, qui est le message de la liberté, des choix, des idées, des croyances, des actes, même avec la presse, chose que peut-être beaucoup n'ont pas compris. La presse qui développe et appuie des idées libérales à 10 jours. Excellence, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons aujourd'hui l'occasion unique et privilégiée de vous remercier bien fidèlement et loyalement pour avoir partagé avec nous au cours de votre gestion votre amitié si joyeuse, votre enthousiasme si essentiel, votre connaissance si importante, votre conviction, votre bonheur de vivre communicatif pour contribuer à témoigner à notre engagement commun et à affirmer l'idéal d'une Guinée riche de la diversité, à la découvrir, à l'apprécier dans toutes ses différences. Ce fondement de la paix, excellence, nous vous remercions tout particulièrement de votre contribution au développement de notre chère Guinée, pour l'aide précieuse apportée à la réalisation de nos projets pendant votre gestion. Nous exprimons donc toute notre reconnaissance envers vous, M. Lassana Kouyaté. Vive le PDN, vive la Guinée. C'était les propos des étudiants guinéens qui ont été épaulés par son Excellence le président du PDN. Et par cette reconnaissance, ils ont donné le nom de leur promotion à ce leader incontesté à travers le monde. Vous le savez très bien, nous n'avons pas besoin de faire les éloges de ce monsieur. Il a un idéal, il a un objectif et il est aidé de partout à travers le monde, inclusivement les États-Unis. Il a choisi de venir rentrer en contact direct, face à face avec la communauté pour qu'on sache qui il est, où il veut aller et comment est-ce qu'il veut unir la Guinée. Il a eu cette intuition et une belle lurette, ayant servi des institutions internationales, il est toujours épaulé par ces institutions qui peuvent nous aider justement à rapidement rentrer dans le concert des nations développées. C'est ce monsieur qui est assis, très humble, notre frère, notre père, nos oncles. Donc, les enfants qui sont l'avenir du pays viennent de se prononcer, vous voulez les écouter. Sans plus tarder, je vais passer à l'étape qui est le discours d'introduction de ce grand homme d'État par Monsieur le secrétaire général, le secrétaire fédéral du PEDN, Monsieur Moutagaba, pour le discours d'introduction du président. Merci de votre attention. Merci, M. Kanté. Ladies and gentlemen, nous avons tenté de passer la parole à M. Lassana Kouyaté, notre leader, ancien journaliste, ancien représentant de la francophonie. Des résultats, qui produit le résultat, il est là pour nous donner des conseils, avoir un changement d'idées, d'information, d'éducation et de sensibilisation. Il y aura un débat avec des questions-réponses après son discours. Vous serez libre de poser des questions. Je vous souhaite, tout le monde, en acceptant tout juste de donner la parole à mon président, qui est un leader, M. Lassana Kouyaté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mes chers sœurs, mes chers frères, je vais vous demander d'abord
une petite dérogation, c'est celle de me déplacer, parce que je suis plus à l'aise debout qu'assis. Mes chers frères, je voudrais présenter d'abord mes excuses à tous ceux qui sont dans cette salle et qui doivent accomplir leur prière du Maghreb. Je sais que c'est l'heure, on vient d'entendre le premier appel. Nous aurions dû tous, dans notre foi, dans notre piété, nous soumettre à cette obligation. Mais le bon Dieu est miséricordieux et le bon Dieu, c'est aussi le peuple, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est ceux qui sont devant nous. Je voudrais remercier particulièrement tous nos vénérés imams qui sont ici, qui, malgré leur charge, ont accepté de venir pour participer à cette réunion. Je remercie le Bureau fédéral des États-Unis, le Bureau fédéral du Canada, nos amis qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire de Pennsylvanie et, si j'ai bien compris, de Houston. Je voudrais les remercier tous. Cette réunion aurait pu être une réunion du PDN. On m'a posé la question, j'ai dit pourquoi seulement le PDN ? C'est une réunion des Guinéens, des frères et des sœurs qui se retrouvent pour se poser une seule question. Vous savez, lorsque je fus Premier ministre, j'ai demandé au ministre de la Communication de trouver une émission quelconque qui s'appelle « Qu'est-ce qui va ?» et qu'est-ce qui ne va pas. On ne peut traiter de ce qui ne va pas que quand on connaît ce qui ne va pas. On ne peut améliorer ce qui va que quand on sait ce qui va. Mais j'ai demandé que la parole soit donnée au peuple et que les micros soient baladés dans la rue pour que le peuple lui-même exprime ce qui va et ce qui ne va pas. C'est le but de cet exercice. Tous les partis auraient pu être là. Mouvance, opposition, je n'en ai cure. Je veux que les Guinéens s'asseyent. Pour que de mon regard, les yeux dans les yeux, que je peux leur dire ce que je pense humblement de la situation. Parce qu'un peuple ne s'élève que quand il parvient à transcender ce qu'il a comme problème, ce qui les oppose. Mais avant cela, nous avons perdu quelques parents ces jours-ci. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour Sidi Bari, qui vient d'être tué par un assassin. Je souhaite ardemment que le ou les coupables soient retrouvés. Nous venons de perdre Karamo Kandé, un démocrate convaincu. Sa lutte n'aura pas été vaine. Si on le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il y a deux types d'hommes. Ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Quand on veut être quelqu'un, on peut devenir quelqu'un par les intrigues, par le mensonge, par la duperie. Mais tout cela est tellement compliqué parce que ça vous demande une montagne d'ingéniosité. Pour tricher, on réfléchit plus.
facile de faire quelque chose. Tu as la chose à faire, tu te donnes cet objectif et tu fais. Mais la différence est que quand on veut être quelque chose, on tombe dans les intrigues sans devenir rien. Mais quand tu fais quelque chose, tu deviens quelqu'un. La preuve, on est en train de parler d'hommes aujourd'hui qui ont fait quelque chose, mais qui sont devenus quelqu'un. Prions pour leur âme. Au Canada, nos frères du Canada vont le dire, on avait aussi un bon Guinéen, militant du PDN, certes, mais surtout un Guinéen, c'est Aliou Parayaba. Il nous a quittés il y a quelques jours. Je voudrais, en votre nom à tous, présenter aux trois familles, ou aux quatre familles, ou aux cinq familles. Finalement, la famille n'est pas unipolaire. La famille n'est pas unique. On a la famille de parents biologiques. On a la famille idéologique. On a la famille des amis. Tous ceux qui vous adoptent dans la vie deviennent votre famille. À toutes ces familles, je voudrais présenter nos condoléances les plus émues. Mes chères sœurs, mes chers frères, comme je l'ai dit, inutile de nous tirer à boulet rouge. Je vous pose la question. Est-ce que notre pays se porte bien? Très bien. Non. Très bien. Oui, très bien. Est-ce que vous pensez que le système, pardon, je vous en prie, est-ce que vous pensez que le système politique se porte à merveille? Non. Est-ce que vous pensez que le système économique est au beau fixe? Est-ce que vous pensez que le système social est des meilleurs dans ce monde? Je le dis parce que tant qu'un peuple n'a pas découvert ses faiblesses, il ne pourra pas les corriger et il n'ira pas de l'avant. Sous des prismes différents. Celui qui dit oui, ça va, c'est son opinion. Celui qui dit non, c'est son opinion. Mais pourquoi les opinions doivent se heurter au point de créer des bagarres, au point de manquer à la décence, au point de manquer à la dignité, au point de manquer à tout ce qui est comme éthique pour que l'homme soit libéré? Ceux qui disent oui ont atteint la limite de leur perfection. C'est tant mieux. Mais ceux qui disent non, c'est qu'ils veulent plus. Quand vous posez la question ici aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que tout le monde est satisfait? Certains diront oui, certains diront non. C'est non. Allez, en France, posez-leur la question. Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Ça dépend de ce qu'on veut. Celui qui veut une bicyclette, quand il a atteint la bicyclette, il dira oui, je suis heureux. Celui qui a déjà eu la bicyclette, qui veut avoir une moto, dira non. C'est comme ça que la vie est. Chacun de nous a rêvé, à un moment donné, de notre enfance. Nous avons rêvé d'avoir un vélo. Mais quand tu as le vélo, tu penses à la moto. Quand tu as la moto, tu penses à la voiture. Quand tu es célibataire, tu penses à te marier. Effectivement. De tourner en rond. Que ceux qui pensent une chose et ceux qui pensent le contraire, ce n'est pas un gourdin qu'on prend. Ce n'est pas des machettes qu'on prend. Pour nous entretuer, pour rien. À cause du nez qu'on a.
m'enlever les idées que j'ai. Quand on est fidèle à ses idées, quand on est ambitieux, le pays, vous avez beaucoup de chance, vous qui vivez ici. Ce pays vient de loin. Chacun se demande pourquoi les femmes, les enfants sont très protégés ici. Dès que tu fais quelque chose à ton enfant, c'est 911. C'est parce que c'est lié à l'histoire de ce pays. Quand ils sont venus, depuis le Canada jusqu'à la frontière sud, ils sont venus s'attaquer aux Indiens, s'attaquer aux animaux, s'attaquer à la nature. Les enfants qui sont venus d'Europe n'étaient pas de ce voyage-là. Les esclaves qu'on a pris chez nous, que ce soit de la Porte du Nord-Retour, au Bénin, que ce soit de Benti, que ce soit de Gorée, que ce soit d'Angola, en ce moment, on avait besoin que des les petits, on les laissait là-bas. On ne prenait que ceux qui étaient forts. Donc ici a été peuplé d'hommes, sans femmes, sans enfants. Voilà pourquoi l'enfant a son importance ici. Voilà pourquoi la femme a son importance. Et je le répète, ce n'est pas une guerre d'une ethnie contre une autre. Mais si nous voulons en faire une guerre, je vous le jure, nous regretterons ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi. La bêtise humaine est parfois inexplicable. Ce n'est même pas une histoire d'ethnie en réalité. Là où il y a des ethnies, on dit que les ethnies s'opposent. Qu'il y a tension. Oui, il y a tension. Mais j'ai fait 2 ans de Somalie. Où il n'y a qu'un seul peuple, une seule ethnie, c'est l'ethnie somalie. Une seule langue, c'est la langue somalie. Une seule religion, c'est la religion musulmane. Une seule branche, c'est la branche sunnite, malikite. Allez en Somalie. La seule église que j'ai trouvée est une église désaffectée du 15e siècle. Même ethnie, même peuple, même langue, même religion. Même secte, disons. Depuis 91, ils sont en guerre. C'est une histoire de religion là-bas? Non. C'est une histoire d'ethnie là-bas? Non. Alors parfois, l'ego de l'homme, ce que Dieu a placé en nous, parce que nous voulons être les meilleurs, parce que nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres, même quand l'ethnie n'existe pas, le clan n'existe pas, on trouve parfois la différence dans la famille. Vous qui êtes ici, chacun de vous, vous avez dans vos pays, dans notre pays, des familles, une famille. Et dans chaque famille, vous avez des gens, même père, même mère, qui vous en veulent parce que vous avez pu voyager pour être ici. Vous le savez. Et ne pensez pas que ce que vous leur envoyez, et vous sont toujours reconnaissants, hein, et disent, c'est Dieu qui devait nous remettre tout, mais on a tout mis dans sa main, c'est pour qu'il nous dise. Quand ce que vous envoyez, ça leur rapporte beaucoup. Si ce que je vous dis, je mens, alors je n'aurais menti qu'à moi-même. Puisque c'est ce que je constate. Les Malinqués ne sont pas unis, les Peuls ne sont pas unis, les Soussous ne sont pas unis, les Forestiers ne sont pas unis. Comment voulez-vous qu'on bâtisse Lorsque vous venez ici, vous trouvez les Américains se promener avec des drapeaux. Partout, c'est des drapeaux. C'est parce qu'ils veulent que cela les unisse. Il n'y a pas plus d'ethnie chez nous qu'ici. Il n'y a pas plus d'ethnie chez nous qu'en France.
ils se sont imposés une discipline, créant une nation. Nous, nous sommes incapables de le faire. Quiconque vous parle de nation guinéenne vous aura menti. Par notre comportement. Par notre comportement. Ce qui doit être dit n'est pas dit. Ce qui doit être fait n'est pas fait. À cause des valeurs subjectives, on trouve des gens qui disent « Non, c'est bien. C'est bien jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ça sera bien ? Vous allez prendre aujourd'hui le marché, vous trouverez que les prix sont à un niveau qui n'est plus à la portée des revenus du Guinéen. Vous le savez. Vous savez bien cela. Que ce soit Bama, puisque c'est après que j'ai compris que les Guinéens aimaient beaucoup Bama. Je ne sais même pas pourquoi. Mayonnaise Bama. Quand c'est à 22 000, quand c'est à 25 000, vous pensez que le Guinéen moyen peut se l'acheter? Le pain, c'est tout ce que je dis n'est pas contre quelqu'un, c'est pour quelque chose. Pour le bonheur et la prospérité de ce peuple. Prenez la viande. Le kilo de viande est à combien? 22, 23 000. 33, quand c'est la bonne viande. On prendrait comme ça l'huile d'arachide, l'huile de truc, vous trouverez que les prix sont insupportables. Voilà pourquoi. Premier ministre, j'ai dit, mais pourquoi les Guinéens courent toujours après les prix qui semblent hauts, mais qui sont les prix les plus bas de la sous-région? J'ai fait la CDAO, je connais au moins les prix. Quand vous comparez le prix anglais, c'est le prix le plus bas. Mais face à ces prix bas, vous avez aussi les revenus les plus bas. Alors, au lieu de continuer à courir après l'impossible, me suis-je dit, il faut améliorer aussi le revenu des Guinéens. C'est pourquoi les salaires, certains salaires, certaines catégories de salaires, les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. En janvier 1998, ceux qui allaient à la retraite, leur pension a été augmentée. Et graduellement, on allait aller jusqu'à assurer la couverture sociale, sanitaire des Guinéens, secteur après secteur, jusqu'à atteindre la couverture universelle. Pour tout le monde. Il ne sert de politique que la politique qui s'adresse au social. L'homme ne crée pas la richesse pour le simple plaisir de regarder l'argent. L'argent, la propriété de l'argent se trouve dans l'usage. Un argent que vous avez, que vous n'usez pas, que vous se trouve à la banque, ne vous appartient pas. Le jour où ça doit vous appartenir, c'est le jour où vous l'utilisez pour donner à quelqu'un ou pour faire quelque chose à quelqu'un. Ou pour vous-même. Je vous prie, ressaisissons-nous. La Guinée a besoin que les Guinéens se mettent ensemble si nous voulons faire l'histoire, si nous voulons rester dans la médiocrité. Éteignons la lumière, fermons la porte. Nos enfants auront été jetés à la pâture. C'est ce que nous souhaitons? Non. Pour qu'on s'assoie non, il faut qu'on agisse. Quel que soit celui qui est président, qu'il fasse du bon travail. C'est tout. Je vous jure, moi, là, ça va être celui qui fera le bon travail, je m'arrêterai, je le dirai. Les Guinéens sont maîtres dans l'art d'interpréter. Ils vont jusqu'à interpréter chacun de vos signes. Quand vous les portez, vous ne les connaissez pas. Arrêtons tout ça. Talleyrand a dit, agiter les peuples pour s'en servir est une sage machine.
Mais dans la misère, il est inutile d'exciter les citoyens les uns contre les autres. Ils sont suffisamment intelligents pour se mépriser tout seuls. Ça vient du désœuvrement. Ça vient du fait qu'on manque d'idéal. Ça manque du fait que, au lieu de souffrir aujourd'hui pour avoir le bénéfice demain, on préfère avoir des pécadilles d'aujourd'hui contre, n'est-ce pas, le bonheur de demain. On ne meurt pas deux fois. Une seule. Vous êtes fou. Chacun de nous, un jour, sera attaché dans le cercueil et puis on ira te mettre là. Ce jour, tu seras avec d'autres réalités que la réalité de ce moment. Mais ce que tu laisses derrière toi, c'est ce qu'on va dire. Ai-je été juste? Les imams qui sont là savent. Le dernier pèlerinage du prophète, ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est poser des questions. S'il a bien accompli sa mission, le peuple répondait oui, sans hésiter. Parce qu'il l'a fait. Parti de rien, de zéro. Il a bâti la fraternité, la confraternité des musulmans. Cela existe, ça le dépasse. Des siècles, des années, des millénaires, ça ira encore toujours. On n'est pas capable d'avoir le cœur en Guinée. Pour être les meilleurs, il y a des élections qui se passent aujourd'hui dans de tout petits pays. Allez au Cap-Vert, allez au Botswana, allez à l'île Maurice. Des élections se passent, il y a alternance, les gens ne savent même pas. Parce que là-bas, ce n'est pas une question de vie. Ce n'est pas une question de vie ou de mort là-bas. Mais en Guinée, tu as le pouvoir, tu as tout. Tu le perds, tu perds tout. Et c'est ça? Pourquoi refuser de dire la vérité? Ton frère est président, même père, même mère, il fait mal. Aie le courage de le faire, de lui dire tu fais mal. Tu l'aides. Tu l'aides. Les vérités sont simples. Tout ce que peut être dit, ce parti-là ne sera jamais épique. Je vous le dis, je vous le répète. Que je n'ai jamais le pouvoir, l'histoire ne se retiendra pas, que j'ai encouragé les Guinéens, les ethnies guinéennes, les unes contre les autres. Allez, merci. Si je le dis, certains de mes frères américains ne me croiront pas, ils ne m'aimeront pas, qu'ils ne m'aiment pas. Si je le dis, certains de mes frères ne me croiront jamais, je n'ai qu'à leur donner mon cœur, ils diront que c'est le cœur d'un mouton, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il y en a assez. Ce sont des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs. Un peuple ne peut avancer que quand ils sont unis. Ils peuvent être unis que quand il y a des unificateurs. Ceux qui peuvent les mettre ensemble. Chaque jour, nous mangeons, comme je le dis, des quatre régions naturelles. Si le riz qui est fait n'est pas fait dans les plaines du Fouta ou dans les plaines de Haute-Guinée ou bien même sur les montagnes du Fouta ou, n'est-ce pas, dans les marais de la Guinée forestière, le riz peut être importé par un peuple. Le piment vient de Mamou, le gombo vient de la Haute-Guinée, le koroté vient de la Basse-Côte. On mange chaque jour ça, on finit de se gaver de ça et on se met à critiquer les ailes. Ce n'est même pas histoire d'intermariage. Savez-vous ce qui s'est passé au Rwanda? Certains le savent. Hutus qui ont épousé les Tutsis, Batutsi et Babutu, les deux principales ethnies. Les Batois ne sont que très peu. À Biaramana, son avion est tombé. Les Hutus étaient en révolte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut trouver les femmes Hutus qui ont épousé les Tutsis. On trouve ces femmes qui ont épousé les Tutsis. On dit parmi elles,
Quelles sont celles qui viennent de faire des enfants? Il y en avait 40. On a amené 40 mortiers, 40 pilons. Chaque femme a son enfant, on lui pose dans le mortier et pile lui. Vous voulez que c'est ce qui nous arrive en Guinée? La religion nous guide sur le chemin, mais nous-mêmes, nos caractères, les saletés qu'on a prises le long de notre vie, excusez-moi toutes ces expressions, ne nous permettent pas de dire non, ça marche. Ça va marcher. Pour que ça marche pas, il faut qu'on en soit conscient. Vous savez où vous commencez, vous ne savez pas où ça finit. Nos frères de Côte d'Ivoire ont subi. Aujourd'hui, allez demander à n'importe quel Nigérian, est-ce qu'une sécession est ici maintenant possible à cause de la guerre du Biafra? Ça, je trouve que les Nigériens, toutes tendances convenues, vous leur demandez si une autre sécession est possible, les 36 États, ils vous diront non. Malgré tout ce qui arrive là, ils n'accepteront plus. Plus de 3 millions de morts au nom de l'ethnie, au nom de la religion. Les Ivoiriens, ils ont au moins, je dis, 50 ans de développement devant eux, parce qu'ils ont tiré les leçons du passé. Allez là-bas aujourd'hui. Quel que soit ce que vous entendez, les investissements viennent parce que l'investissement ne vient que quand vous avez la sagesse. Envoyez tous les meilleurs diplomates du monde, partout. La meilleure diplomatie, c'est la politique intérieure du pays. Il y a des choses que vous ne pouvez pas défendre quand vous êtes diplomate. Quand c'est évident, quand c'est su, quand c'est connu de tous, vous ne pouvez pas les défendre ça à l'extérieur. Vous ne pouvez pas. Quelle que soit vos qualités oratoires, psychologiques ou tout, vous n'allez pas pouvoir défendre l'indéfendable. Mes chers frères, je ne suis pas venu pour vous donner des leçons. J'ai ma part de responsabilité. Chacun de nous est responsable, fautif. Chacun de nous est fautif. Je le dis, hein. Je ne suis pas exclu. Chacun de nous est fautif. Particulièrement les hommes intellectuels. Mais quand le moment de dire la vérité arrive, il faut la dire. Pour ne pas laisser notre peuple se glisser insidieusement, indéfiniment dans la rue. Voilà ce que je me donne comme devoir. Certes, difficile à entendre. Mais moi, je vous le dis quand même. Prêtez-moi les noms que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez. J'accepte tout. Au nom de mes convictions. L'unité est la porte du salut. Les investisseurs, quel que soit ce qu'on vous dit, l'espoir du peuple a attendu à chaque station. La station du PPTE, où sont les résultats? La station des 700 millions de Rio Tinto, où on en est? On peut citer des exemples comme ça. Mais je l'ai dit, c'est bon d'avoir eu tout ça. Mais si vous avez tout ça, et que vous ne préparez pas l'ensemble du terrain pour que les investisseurs privés se lèvent, l'argent qui crée la différence, cet argent-là, on n'en parlera même pas. Parce que l'investisseur, il investira dans les conditions normales où les jeunes seront formés, où nous aurons, n'est-ce pas, un know-how, un transfert de technologie qui nous permettra d'asseoir des industries. On a la bauxite. Aujourd'hui, on a, est-ce qu'on a, n'est-ce pas, une seule usine d'aluminium? Ça n'existe pas. Le pays qui a le plus de bauxite au monde. Il y a pas d'usine. C'était pas là. Mais avant ça, quel que soit qui a vendu, quel que soit qui a vendu, Paul ou Pierre, ça ne m'intéresse pas. Mais ayons l'usine. On va continuer à se disputer comme ça, se crépir le chignon comme ça. Non. Telle a fait ça, telle a fait ça. Faisons-le maintenant. Et vous allez chercher les fautes à qui, les fautes à qui, on ne fera jamais. Oui, jamais.
Il faut se dire la vérité. Il est temps. La Guinée devait avoir aujourd'hui des fonderies. Parce qu'on a du fer. Ceux qui viennent de Rio Tinto là, ils viennent. Les accords sont signés. J'ai été à Perth, en Australie. J'ai été dans la mine de Rio Tinto. Son budget, le budget de Rio Tinto, dépasse tous les budgets d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale réunie. Ils ont des réserves de minerais de fer qui n'ont pas la qualité du minerai de Simandou. Ils ne mettront jamais sur le marché les minerais de Simandou pour que leur propre minerai ne soit plus vendu. Un bon commerçant, un bon minier, ils se disent il faut tout faire pour ficeler Simandou. Pour que quand on finit l'Australie, dans combien d'années, je n'en sais rien, pour que cela ne soit pas concurrencé, on mettra Simandou en marche. Malheureusement, Simandou est déjà ficelé. Ni ce gouvernement, ni aucun gouvernement ne peut plus, n'est-ce pas, enlever à Rio Tinto ce qui a été fait de rêve. Mais il ne faut même pas aller loin. Quand les 700 millions ont été signés, tout le monde a parlé. Moi, j'ai dit que c'était mauvais, je l'ai assumé. Le président lui-même a dit, je le cite, on m'a trompé. Si je l'avais, le mensonge, dites-le. Il a eu l'honnêteté de dire qu'il a été trompé. Parce que les 700 millions, c'est contre les recettes d'avenir. Et l'exclusivité de la possession. Pour nous dégager de ça, ça ne sera pas facile. Qu'il réalise aujourd'hui le chemin de fer de Simandou jusqu'à Matakan ou n'importe où dans le port, qu'il le fasse ou pas, il sera difficile de le retirer pour le réhabiliter. Mais, ce qui est courant en Guinée, on parle d'une chose, tout le monde en parle, tout le monde se fait connaître, personne ne lit. Quand on ne connaît pas, il faut lire. Si tu ne connais pas, après la lecture, tu donnes à quelqu'un qui connaît pour qu'il te l'interprète. Nul n'a contesté, malgré tout ce qui s'est passé, nul n'a contesté au président de la République de n'être pas présent. Qui a dit qu'il n'est pas présent et doit quitter? Qui l'a dit? Personne. On veut simplement des résultats qui puissent être en adéquation avec la volonté du peuple, le bonheur du peuple, les aspirations du peuple. Et c'est tout ce qu'on cherche. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'Afrique, je vous en prie du calme. Si vous faites encore une nuit, c'est parce que vous n'avez rien compris de ce que je dis. Ce que vous ne savez pas, les Chinois, les Japonais, les ceci, les cela, on les appelait après. Avant, on disait les jaunes, non? Les Chinois, on les appelait jaunes. Les Japonais, on les appelait jaunes. Les Coréens, jaunes. Les ceci, jaunes. Vous entendez ça maintenant? Non. Parce que ce sont des jaunes. Vous, nous, ceux qui nous aiment, ils diront les noirs. Ceux qui ne nous aiment pas, ils diront les nègres. Ceux qui nous méprisent encore plus, ils diront les sales nègres. On n'a qu'à pleurer et verser toutes les larmes du monde. On nous appellera toujours sales nègres si on ne se développe pas. Le jour où on va se développer, autant aujourd'hui, ceux qu'on appelle les jaunes, on déploie le tapis rouge pour eux ici, on déploiera le tapis rouge pour nous. Ce n'est pas une question de couleur de la peau, c'est une question de développement. L'île Maurice, il y a beaucoup de noirs. Quand ils viennent ici, un directeur d'entreprise d'île Maurice vient ici. Il est respecté. Parce qu'il a pu créer quelque chose qui rapporte à ces pays-là. S'ils ne sont pas capables de le faire, vous pensez qu'on sera respecté? Vous tous qui êtes assis dans cette salle ici,
à part ceux des Américains qui sont proches de vous, allez vous arrêter devant des Américains. Demandez-leur de dire qui est Peul, qui est Maliki, qui est Ksusu, qui est Baga, qui est Timiné, qui est Pelé, qui est Kissien. Est-ce qu'ils le seront? Le monde vous méprise et vous vous méprisez tout seul. Voilà une bataille qu'on doit gagner. Quand ils vous respectent, ils vous traitent avec condescendance. Sinon, on sait ce qui se passe. Il y a un phénomène ces jours-ci qui nous donne la plus grande inquiétude. Parce que la maladie est bonne. Loin de moi l'idée de politiser. C'est un phénomène qui a des conséquences incalculables. Incalculables. Les familles se méfient désormais les unes des autres. Là où on suspecte qu'il y a cette maladie, la famille préfère cacher et ne plus montrer. Le pèlerinage, les premiers pèlerins de Guinée sont partis à la Maca, à pied, à dos d'âne, à dos de chameau. Il y a 741 ans. De façon continue. 741. Quand vous partez au Soudan, à Khartoum, vous trouvez tout un quartier de Noirs venus de l'ouest de l'Afrique, la Guinée de Mali. Certains parlent encore nos langues. Parce que, au moins, depuis le temps de leur arrière-arrière-grand-père, ils ont pu promener ça. Ceux qui n'ont pas été à Khartoum, allez voir. Depuis tout ce temps, à cause d'une maladie qui n'est pas souhaitable, c'est la première fois que le pèlerinage ne trouve pas encore sa voie pour les pèlerins guinéens. Ça ne doit pas nous faire réfléchir. Depuis 741 ans, il a fallu que nous nous naissions pour qu'on vive cette réalité. C'est honteux, c'est humiliant. Il y a 3 ou 4 jours, je crois, même pas 4 jours, 3 jours, France 24 faisait un reportage sur Conakry. Vous le savez bien. On disait que Conakry était la ville la plus sale d'Afrique de l'Ouest. Vous pensez qu'on peut vivre dans ça et dire que tout va bien? Vous comprenez? Je n'ai pas peur qu'on dise que j'ai sali partout à Conakry. La vérité est tout autre. Et c'est pourquoi aucune attaque de ce point de vue ne me dira absolument rien. Je ne répondrai jamais aux inepties. Je vous dis simplement que reconnaître ce que vous faites vous-même vous permettra de vous amender. Quand vous êtes un peuple, reconnaître ce que vous faites de mauvais vous permettra de vous amender. Tant qu'on ne le fait pas, restons dedans. Restons dedans. On réglera à nos enfants la charge qu'on devait régler aujourd'hui. Ils régleront aussi, ils l'aideront peut-être à leurs enfants. La Guinée peut continuer comme ça? Tout cela parce que on préfère l'immédiat à l'après. On préfère les décalés d'aujourd'hui
à ce qui peut faire le bonheur collectif demain. La richesse est individuelle. Chacun peut être riche individuellement. Mais personne ne peut être heureux seul. Ça n'existe pas. Le bonheur est collectif. Le bonheur est collectif. Très chères sœurs, chers frères, je suis venu pour vous parler de ces choses avec gravité, pour choquer peut-être, mais pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'alternative à l'entente. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y en avait, j'allais dire chacun n'a qu'à le faire. La Pasqua peut être séparée du Fouta. Le Fouta peut être séparé de la Bonne Guinée, de la Haute Guinée. La Haute Guinée peut être séparée de la forêt. Même si vous voulez faire sécession, il y en a qui pourraient être tentés de ça, faire sécession. Il n'y a plus de ça. Quelle est la sécession qui a réussi en Afrique? Le Soudan, c'était par référendum. Ce n'est pas une sécession. Et malgré le référendum, on voit aujourd'hui les conséquences. L'Érythrée, c'était par référendum. Malgré le référendum, l'Érythrée est en guerre avec l'Éthiopie. Le Biafra a échoué. Le Katanga a échoué. Partout où il y a eu des tentatives de sécession, ça a échoué. Pendant la guerre froide, au meilleur moment, parce que si vous n'êtes pas reconnu par un camp, vous êtes reconnu par l'autre. Apprenez l'histoire, ne vous fiez pas. Celui qui veut le pouvoir vaille que vaille au détriment du bonheur de son peuple dit des paroles mielleuses. Je ne vous dirai jamais des paroles mielleuses. Ni à quiconque. Si nous voulons que la Guinée aille de l'avant, restons unis. On peut le faire. We can do it. We can be united. We can keep the spirit of togetherness. Some of you have been here a long time ago. I don't want to.
but I would like those also people to ask questions. Any question they have, I am ready to respond. Put aside your